Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais entre nous, entre toi et ta mère, qui est plus âgée? Si Marie est Mère de Dieu, entre Marie et Dieu, qui a créé les cieux et la terre? Je n'arrive pas à comprendre des intellectuels avérés. On vous prêche la parole de Dieu, vous laissez ça? Ce sont les conneries, les détails vous occupez. Pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi elle a mis rien à droite? Il a mis rien à droite pour que j'enseigne ta mère. Puisque la parole de Dieu ne vous intéresse pas. Non, pourquoi quand il paye ses cheveux, la main rien à droite? C'est pourquoi j'enseigne ta mère, toutes tes petites soeurs. Bâtard! On vous parle de Dieu au lieu de vous occuper de la parole de Dieu. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Je t'ai appelé. Alléluia! Espèce de gaspilleur de savon. Championnat d'Aoko, Aoko. Moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, ma vie a changé. Qu'est-ce qui prouve que ta vie a changé? Non, je ne cherche plus femme. Mais comment tu t'arranges? Grand frappeur de Aoko, menteur. Espèce de masturbateur. Vous possédez à vous une foi Aoko cotisée. Et vous pensez que vous êtes chrétien. Des menteurs comme ça. Dieu. Si on doit respecter ce que le Seigneur a fait, c'est pourquoi je vous dis que l'homme, ces femmes vierges même, doivent marier. Ces femmes vierges. Marier là, c'est pour les vierges. Et c'est dans le spirituel aussi. Marier aussi, c'est pour les vierges. C'est pour les vierges le mariage. Mais deuxième main là, on ne doit pas fixer de conditions pour ça. C'est arrangement qu'on doit faire. Ils ont choisi jusqu'à ce que la viande de porc qui ne mange pas. Porc qui est doux comme ça là. La viande de porc. À 16h, viens de Fokofou. À 16h, Fokofou avec du bon vin. Tu as bu là, tu vas bien transpirer. C'est ça, ils ont trouvé pour dire qu'on ne mange pas porc. Parce que pour eux, quand Jésus a chassé la demande d'Israël, il les a mis dans un groupe de porc. Mais est-ce que ces porcs sont arrivés à Côte d'Ivoire? Cheveux ne peut pas pousser. Elle s'est payée, payée jusqu'à tout est coupé. Tête là maintenant, on dirait qu'elle fait pinch. Alors que c'est cheveux qui est parti à cause de ta galère. Tu vois, à cause de ta galère, elle est en train de devenir chauve. Tu n'as pas encore fait pousser ses cheveux. C'est toi qui viens aller chercher femme encore. Tu es un bâtard. Vous allez voir là-bas, d'autres même là, quand tu vas rentrer, la couleur du caleçon que tu portes, ils vont tout détailler. C'est ça là qui est homme de Dieu. Tu rentres dans ton salon. Soupachia, soukabachacha. Et ce petit acolyte, les complices dans le mal. Et dis quelque chose, papa. Fais quelque chose. Côte d'Ivoire souffre. Hein? Tellement ce pays est riche. Il y a toutes sortes de biens ici. Chacun vient se servir. Papa, fais quelque chose. Donne-moi un amen. Ce n'est pas Jésus qui fait quelque chose. Mais c'est lui qui fait quelque chose. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Que Dieu ait pitié. Mais je comprends. En pleine période festive, chacun est en train de prier Dieu pour être en bonne santé, trouver quelque chose à manger avec sa famille. Toi, ce que tu as vu à faire, c'est de vendre ses cercueils. Et tu dis, tu cherches clients. Et d'autres même disent que les activités ralentissent. Mais cercueil, là, c'est ta mère qui va rentrer dedans. C'est ça qui est travail que tu as vu habiller ici pour faire. Et ils te voient passer, ils s'approchent pour demander, on peut diminuer. Hein? Faut voir ça de ta famille. Ils disent que lui, il aime l'argent. Que lui, là, son affaire de jeter est trop. Toi-même, là, ton affaire de jeter n'est pas trop. C'est pourquoi on te demande de te débarrasser de ça. Bâtard! Espèce de cafard. Une femme qui est méchante est méchante. Il y a les gens qui aiment sur les femmes, mais leurs parents m'ont peur de mettre pied chez eux. Et c'est cette petite sorcière qui vient à peine de marier il y a 5 ans. C'est elle qui contrôle toute sa famille. C'est elle qui doit dire ton père ne doit pas arriver, ta mère ne doit pas arriver. Et ce vendu-là, il dit, maman, j'ai compris. Tu es un mordia. Un bâtard. C'est parce que le diable a envoûté certains qui se mettent à genoux devant femme. Maman, pardon, laisse-moi faire un. Un maudit quoi. Mordia. Ça te fait du mal, il faut arrêter de boire. Mais la boisson n'est pas un péché. Alléluia. Regardez ce qui réjouit le cœur de Dieu. Psaume 104:15. Il est écrit. Le vin. Qui réjouit le cœur de l'homme. Hein? Sucrerie. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Connus énergie. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Tonica. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Coca-Cola. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui.
On vous prêche la parole de Dieu, vous laissez ça. C'est ça, je connais les détails, vous occupez. Pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi elle a mis ré à droite? Il a mis ré à droite pour que j'enceinte ta mère. Puisque la parole de Dieu ne vous intéresse pas. Non, pourquoi quand il paye ses cheveux, la mère ré à droite? C'est pourquoi j'enceinte ta mère, toutes tes petites soeurs. Bâtard! On vous parle de Dieu au lieu de vous occuper de la parole de Dieu. Hein, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Je t'ai appelé. Alléluia! Amen. Qu'ils doivent garder leur conscience pure et leur dignité d'homme. Une fois qu'ils arrivent là-bas et qu'ils reviennent, alors qu'elle se parlait, elle avait versé douche. Dès qu'ils reviennent, la meute marche comme ça. Et un maudit vendu comme ça, dès qu'il arrive là, il n'a même pas fait 3 jours. C'est comment là? Bonsoir. Bonsoir. À toi qui m'écoutes, qui vas m'appeler de l'heure prochainement. Tu m'appelles comme ça pour cracher dans mon oreille ta mère. Bâtard. Pour que les gens soient encore surexcités dans ce qu'ils veulent faire. Yes. Un pasteur qui dit. Oui. Un prophète qui dit. Oui. Qu'un homme doit doter la femme. Oui. Il doit aller à la mairie avec elle. Oui. Vas-y. Avant de la déshabiller, cet homme est un négociant. Alléluia! Parce que dans la Bible là, il y a des choses que les gens se sont levés pour aller faire. Sans l'ordre de Dieu. Mais le commandement de Dieu portant sur la relation entre l'homme et la femme. L'homme doit aller payer la dot lorsqu'il déshabille la femme et qu'il constate que la chose est... Il y a des gens qui disent que... Il est rentré aussi dans l'affaire d'argent. Ta mère. L'homme doit aller payer la dot lorsqu'il déshabille la femme. Et qu'il constate que la chose est encore scellée. Alléluia. S'il voit que c'est un appareil deuxième main. Alléluia. Une femme qui est méchante est méchante. Il y a des gens qui ont une seule femme, mais leurs parents m'ont peur de mettre pied chez eux. Et c'est cette petite sorcière qui vient à peine de marier il y a 5 ans. C'est elle qui contrôle toute sa famille. C'est elle qui doit dire, ton père ne doit pas arriver, ta mère ne doit pas arriver. Et ce vendu-là, il dit, maman, j'ai compris. Tu es mordiat. Un bâtard. C'est pourquoi quand je vois les gens qui pleurent à cause de femmes, elle m'a quitté. Elle m'a quitté. Tu es un bâtard. Un bouddhiste est un païen. Voici des gens qui parlent comme abeille à Canary. Un père de famille devant ses enfants. On dirait tronçonneuse. Faut le gifler, même si c'est ton papa. En pleine période festive, chacun est en train de prier Dieu pour être en bonne santé, trouver quelque chose à manger avec sa famille. Toi, ce que tu as vu à faire, c'est de vendre ses cercueils. Et tu dis, tu cherches client. Et d'autres même disent que les activités ralentissent. Mais c'est laquelle, c'est ta mère qui va rentrer dedans. C'est ça qui est travail que tu as mis à bien ici pour faire. Et ils te voient passer, ils s'approchent pour demander, on peut diminuer. Hein? Faut avoir ça de ta famille. Ce que toi tu dis là, c'est pas faux. Mais lui aussi, il n'a pas tort. Ça veut dire quoi? Tu es un akmani? Abat l'akmanisme.